Y a-t-il des différences entre les flammes jumelles et les âmes sœurs? Partie 12 de 12. Partie 12. Conclusion. Dans cette série de 12 articles, nous nous sommes demandé s'il existait une différence entre les flammes jumelles et l'âme sœur. Ce faisant, nous avons essayé de vous donner quelques raisons pour lesquelles la flamme jumelle et l'âme sœur sont éventuellement différentes. Il est important de noter que chaque personne est différente et que, par conséquent, l'expérience avec sa flamme jumelle ou son âme sœur peut également être individuelle. Il existe de nombreux points de vue différents sur ce sujet et il faut se faire sa propre opinion. Cependant, une chose qui les relie tous les deux est le fait qu'ils ont tous les deux des liens émotionnels forts avec nous. Ils peuvent nous aider à mieux grandir dans notre relation et à progresser sur un chemin spirituel. Indépendamment de la question de savoir s'il y a, ou non, des différences entre la flamme jumelle et l'âme sœur, il faut s'efforcer d'apprécier ce lien particulier. Cela ne signifie pas pour autant que l'on ne peut pas poursuivre sa propre spiritualité. Que l'on croit, ou non aux flammes jumelles, ou à l'âme sœur, il est important de prendre ses responsabilités et de suivre son propre chemin spirituel. Il faut toujours être conscient et se demander, est-ce que j'ai agi de manière appropriée envers ma flamme jumelle ou mon âme sœur? Et je fais ce qui était nécessaire pour évoluer? Que l'on croit aux flammes jumelles ou à l'âme sœur, c'est quelque chose que chacun doit découvrir par lui-même. Conclusion. Il est difficile de dire s'il y a vraiment des différences entre les flammes jumelles et l'âme sœur, chaque personne vit ces choses différemment. Mais ce qui est généralement valable, c'est que la flamme jumelle et l'âme sœur ont toutes deux des liens émotionnels forts avec nous et peuvent nous aider à développer notre relation et à faire avancer notre chemin spirituel. Mais en fin de compte, c'est à nous d'assumer la responsabilité de notre spiritualité et de suivre notre propre chemin, indépendamment de la croyance en des flammes jumelles ou en des compagnons spirituels.